Bonjour. Mais quand vous rentrez dans la chambre, le garçon ne te
touche pas. Mais ma chérie, quand il essaie de mettre un peu, ça fait lui-même là, il t'a pas co-co-co. Quand il dit ouh, tu vois, là, tu dis entrée. Tellement c'est pris. C'est quoi ça là? Tranquillement, tranquille. Donc les femmes là, c'est pas méchant. Mais souvent là, il y a des femmes avant de faire des enfants, le tout devient lâche. Mais je vais vous apprendre qu'il y a des produits naturels pour fermer le puits, pour rendre le sexe de la femme jeune fille, c'est-à-dire 16 ans. Parce que les hommes, là, quand le trou est un peu serré, là, quand eux-mêmes ils rentrent dedans, là, et puis la femme, tu as un petit cri que tu me dis, quand le gars sait qu'il est en train de pénétrer une femme, et qu'il attend le il dit, ouais, je suis garçon. Mais quand il rentre, et puis ça l'amour. Il va te dire, il y a des garçons là, quand il couche avec une femme et puis il dit ton con est doux là, vous pensez qu'il y a con et puis il y a con. Parce que quand tu rentres dans une famille, il faut que ce soit chaud. Tranquillement, tranquille, j'ai envie de
donner les mystères. Mais tranquillement, vous m'exploitez. Donc les femmes là, avant de vous donner mes secrets, là, il faut que vous payez des dîmes et les souffrances. Tranquillement, tranquillement. Donc je suis en train de parler aux femmes. Arrête d'avoir des grognons. Parce que les garçons, ils sont fatigués de nous. Tu dis, mon mari me trompe, mon mari me fait ceci. Mais ma chérie, toi-même quand tu fais ta toilette, ton bras là, c'est-à-dire ici que ici là, tout ça, ça peut rentrer dans le trou là. Tu n'as pas pitié des pines du garçon là. Aïe! Donc allons-y doucement. Moi je vais vous parler les bêtes, on va changer. Et puis on va évoluer. Les gens trouvent que Lolo Beauté, tu es vulgaire. Mais je pense que ma vulgarité est en train de changer les coups, en train de mettre de l'amour. Donc aujourd'hui, mon frère, dis à ta femme, va chez Lolo, va te donner les plantes là. Tu vas foutre tout ça en bas de ton puits là. Là quand je vais rentrer là, je vais sentir que je suis un garçon. Parce que souvent les garçons là, ils ont envie de sentir qu'ils sont vraiment hommes. Parce que quand c'est trop pur là, ça fait peur. Foutez-moi là. Foutez la vapeur pour diminuer un peu votre non-sexe là. Pour les garçons là, ça n'a qu'à être gros poids. Mais pour nous les femmes là, ça n'a qu'à être, on appelle ça 16 ans. Faut être toujours une femme de 16 ans. Quand tu es dans ta maison, le trou caché là, je vous ai dit que c'est un mystère. Donc il faut savoir prendre soin de cela. Faudrait pas que ce soit brouhaha. Quand c'est brouhaha là, ça fait peur. Même nous-mêmes là, notre truc là, ça fait peur, hein. Vis-à-vis, c'est parce que Dieu a créé ça pour exciter les garçons. Sinon, quand nous-mêmes on est cinq femmes là, on se déshabille et puis on est en train de se raser, puis on voit notre truc là. On dirait escargot. Mais il y a pour d'autres là, on dirait escargot 1 à 1000 francs. Pour moi là, c'est 1 à 5 francs. C'est petit. Se tout mâcher, faudrait pas que ça soit un puits. Je vais pas trop durer. Dès ce soir, dis à ta femme, ma femme, quand je rentre toi, j'ai envie que ça soit chaud. Parce que le sexe d'une femme, en tout cas une femme africaine, son sexe doit être chaud. Quand un garçon rentre là-bas, il doit découvrir le plaisir du volcan en éruption. Tranquillement, tranquille. Je voulais pas prêcher, mais j'ai envie de pêcher. Il y a des recettes. Je vais organiser, je pense que je dois organiser un dîner des femmes ou une conférence, mais une conférence dîner. Parce que les gens, elles savent où on mange. Je vais organiser pour 100 personnes. 100 personnes seulement, mais c'est payant. Hein. Vous payez votre droit d'entrée. Maintenant, les femmes qui ne sont pas heureuses dans les foyers, les garçons qui ne sont pas heureux dans les foyers, là, les personnes qui sont insatisfait là, on fait cette conférence que je vais vous prêcher avec tout l'arsenal que je vais mettre en place. À la sortie de cette conférence là, je vous assure que si tu vois ta femme là, tu vas bander en même temps. Quand tu vois ton mari, tu vas mouiller en même temps. Parce qu'il y a des femmes aussi qu'elles sont au lit là, elles mouillent pas vite. Hein. Ah oui, on appelle ça conseil. Il y a conseil, elles mouillent pas vite. N'intéresse pas mon ami, prends ta pine, tu en mets en bas de moi et puis c'est fini. On a sa femme, tue-moi. Arrêtez d'être les femmes, tue-moi tranquillement. Non, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je voulais parler des compuits. Donc on a fini des compuits là. Demain, je vais vous donner le mystère. Parce qu'il y a des femmes là, elles ne savent pas s'entretenir. Alors on dit, ange, elles ne savent pas s'entretenir. Vous voyez les Sénégalaises, elles ont toujours des essences. Des parfums, on appelle ça le mystère de l'attirance sexuelle. Non, il faut que je vous prêche. Un jour, c'est-à-dire dans la semaine prochaine, je vais rentrer dans la parfumerie où j'achète mes parfums. C'est pas parfum que vous voyez là. On appelle ça des essences. Parce qu'il y a des parfums quand tu as un rendez-vous là. C'est des essences, on ne dit pas le nom. Il faut mettre ça sous tes oreilles. Quand le gars te fait bis, ouais là, il bande en même temps. Sans le parfum là, il est en érection. Ça n'appelle pas Babadji. On appelle ça le mystère du pouvoir naturel. Il y a des garçons là, quand ils respirent seulement odeur de sexe des femmes là, ils sont en érection. Donc ma chérie, non ça, je dois parler de ça dans ma conférence. Comment faire mettre son homme en érection sans le toucher? L'odeur même de ton sexe, c'est propre.
l'odeur de ton sexe là. Tu peux foutre ton doigt dans le sexe, mais ça là, c'est pas, c'est un mystère. Quand ton homme dit bébé, je suis arrivé, et que le garçon lui connaît l'odeur de sa femme. Donc quand il te fait bise là, et qu'il sent l'odeur. C'est pas médicament, donc 100 personnes pour la conférence de Lolo Beauté. Si j'avais ces 100 personnes, que ces 100 personnes et là, je vais organiser la conférence et on va parler plus de 3 heures du temps. Quand tu vas sortir de là, là, ma chérie, aïe, si femme a pris ton mari, c'est que c'est Lolo Beauté. C'est moi, je t'ai donné le secret. Donc, si ton mari te trompe, faut dire c'est Lolo Beauté parce qu'elle m'a déjà tout appris. Donc, je sais pas avant. Mystère que j'ai, garçon ne peut pas prendre mon mari tranquillement, tranquille. Donc je vous aime, je vous adore. Les cancans qui n'aiment pas leur beauté,